Bah allez, bonsoir à tous. Allez, go pour eux. Ah, tant pis. Ah non, mais parce que Patrick. C'est un problème, il y a Patrick après. Ah, mais si je reprends. Ouais, je sais pas. Ah, bah tant pis. Bizarre incident occurred in the outskirts of a suburb called Redwood City. Cette varine pas dégueulasse comme ça, je vais. It was later revealed that the terrible disaster. On monte sur le live, c'est bon? C'est pas trop fort le son du jeu? A mutagenic toxin created by the International Enterprise. Bonsoir à tous sur le live, n'hésitez pas à parler un peu des raisons de Civil 2 avec Jules 06. Merci à tous les gens qui sont restés pour le live de 24 heures et merci à toutes les personnes qui ont follow. Voilà. C'est la version Resident Evil 2 version PAL en CD. Et je laisse les cinématiques hein, pour les gens qui connaissent pas le jeu. Et là je rush pas hein, le jeu, je pense speedrun. Je ramasse tous les items et tout ce qui sont cachés. Allez hop. N'hésitez pas à parler les gens sur le live. On m'entend sur le live là? Kever, excuse-moi. J'ai fait exprès. On m'entend bien et tout? Merci. Je suis sur TS en même temps. Le TS est ouvert à tous hein, si vous voulez, les gens. Rejoindre. Voilà. La chaîne a commencé à 14h, le live de 24h. Et c'est fini minimum à 14h dimanche, voire plus. Tout dépend du monde qu'il y a et tout. Voilà. J'ai envie de parler pendant les cinématiques parce que c'est en anglais. C'est traduit tout en bas. Voilà. Non! Merde, j'aurais dû enlever le câble. Parce qu'on voit tous les gens qui sont connectés en haut. Putain. Je suis connecté. Vous pouvez voir que c'est bien sur console, c'est pas sur émulateur. Sur la PS3 avec la version PS1. Don't. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. C'est parti. There. Comme merci aussi personne sur le live, n'hésitez pas à parler, hein. Toujours plaisir. Pourquoi dit qu'on est 6 alors qu'on est 8? Un peu de rétro. C'est pas de mal. Non, il on est plus que deux sur Twitch. Voilà. On est déjà 4, 4 et 4 modo, ça fait 8 déjà.
I'll meet you there. Okay. Allez, c'est parti. Ouvre la porte, connard! Les zombies derrière toi, tu ouvres pas la porte. On va avancer. Please. Who are you? What are you doing here? On a fire! Human. Ne tuez pas, je suis normal. I am sorry. Sorry, baby. Sorry about that. I thought you were one of them. Bah lui, il va se faire tuer, je vais récupérer son fusil à pompon. Normalement, t'es pas obligé de le récupérer son fusil. Un fusil à pompon dans le commissariat si tu veux. Ok, là. Mais je le reste. Mais lui, il va se faire bouffer. J'ai la technique pour le faire bouffer. The entire city was infested with zombies. Je me balade, je sais pas quoi faire. Ah, il va me balader. Je me suis nourri et puis j'ai pris un bon café là, putain, un café bien noir. Avec deux hectares. C'est bon là, je suis pas. J'espère qu'on n'entend pas l'écho avec le son de la télé. C'est live. Là, j'abaisse un peu la télé. Qui est pas mort, mais c'est pas grave, je prends juste là. Vas-y. Voilà, c'est bon là. Tu sais quand les vitres ils sont cassés. Alors c'est une cave, vas-y. Ouais bah on aurait peut-être pu l'avoir hein, du côté. N'en parlons plus. Si. Ah tu parles dans le sol là. Tu parles quoi sur le live? Non je l'ai pas mis. Non mais je l'ai pas mis sur le live, je le mettrai après, je l'ai marqué dans le titre du jeu. On va récupérer les munitions qui sont dans la poubelle. Je les ai tous esquivés là, comme tout à l'heure. Impeccable bien. On a dit, je me fais toujours acharper pour l'autre de derrière là. Ah, y'a rien. Merde.
Tu verras après, tu nous le fais le Resident Evil 2? Oh putain, j'ai réussi à l'esquiver. Le système m'attrape. Merde. C'est bon, ça va l'esquiver. Un petit changement de côté, hop, esquivation du deuxième. J'ai ramassé la plante qui sert à rien, mais bon, comme je ramasse tous les items. Hop. J'essaierai d'amasser un maximum de plantes. Après, il y a peut-être les rubans que je ramasserai pas tout au niveau des rubans, comme j'essaie de le faire sans sauvegarder. En même temps, il n'est pas compliqué. De toute façon, pour avoir le rang A, tu peux sauvegarder, faut au minimum sauvegarder moins de 3 fois. Et faut pas prendre 3 sprays. Je sais plus combien il y a de failles différentes. Je sais que si tu le finis en moins de 3 heures, t'as le roquette illimité, je crois. Si je me trompe pas. Roquette illimité et la clé, je crois. Pour les costumes. Ah, regarde. Qui es-tu? Tu es le nouveau, Léon. 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 Mais on dirait que ta fête a été annulée. Non, sans blague. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cet incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Sont apparus dans un man. Chris et d'autres membres ont disparu. C'est de la faute d'Umbrella, la société. C'était d'Umbrella. Mis leur vie en jeu pour éclairer la vérité. Mais personne ne les a cru. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go. Vas-y. Fine. Le petit pointe. Quand tu dis vas-y, il pointe. Just hold on. Qui va? Bref. Minecraft, je crois. Prends des rubans là. Tu as dit quoi? Moi, j'irai dormir 2-3 heures, je crois, et puis je reprendrai après. Sinon, je verrai bien. Sinon, moi j'ai une idée hein, qui pourrait reprendre, mais bon, Kever sera pas d'accord. Là, bah, je dirais pas de nom. Ah là. Il écrit mal. Et t'as vu le USB, il m'a marqué. Like girls. En gros, t'es une merde, Kever. Re casseur. Bon, bonsoir, c'est Jules 06 là qui a repris après Saruboy. Bienvenue à toi. C'est un plaisir d'avoir du monde. Un peu de Resident Evil 2, un petit peu de rétro gaming hein, sur la chaîne. Unlike Rose.
Bon ça. Merde. Tout à l'heure, je ne me suis même pas fait toucher. J'espère qu'on m'entend bien sur la live. Plaisir d'avoir du monde un petit peu qui parle là. Dis pas ça à monsieur Saroboy. Hein. Il y a des mots qu'il faut pas dire. Non, non. Voilà. Est-ce que tu veux avoir des problèmes avec ça? Tu veux avoir des problèmes avec lui? Là, une petite munition cassée. Pas mal, hein. C'est pour dire si c'est la patte à lui qu'il a fait. Rapport de la mission 1. Je lis pas. Je vais voir tous les trucs cachés. Parce que les speedrunners en général ne faut pas voir tous les items à ramasser. En général, c'est. Bah, normal, c'est aller le plus vite possible. Tu me fais la fin de. Encore? Parce que tous les mois, il y a super bêtisé de l'année. Nickel. Il y a des rubans, pour ceux qui veulent sauvegarder. Là, je m'arrête vite fait, parce que derrière la statue, il y a des munitions aussi. Normalement. Le reste de l'énigme, je le prends, je le frappe. En fait, il faut mettre les deux statues l'une en face de l'autre, qui regardent la statue centrale.
Ouais, le fusil à pompe. Deuxième fusil à pompe dans la partie de Léon. Ce qui différencie à Claire. Claire a une arbalète. Léon a des fusils à pompe. Et là, je vais faire. C'est pas un. Hop, sur ce bureau-là, vous affichez 50 fois le même message. Et en fait, quelqu'un fouillait ici, quelqu'un fouillait ici. Quelle bagaille. Voilà. Là, vous faites ça 50 fois. Et il y a un truc secret dessus. Il y a un diaporama aussi, ça sert à rien, mais. 50 fois d'affilée. Et voilà, hop! Pas oublier de prendre aussi, hop, le journal de Chris. Chris Redford. Allez, je passe ranger, hop, et l'emblème. À tes souhaits. Léon. No reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Normalement en speedrun tu le prends quand tu remontes la deuxième fois. Le rubis. Quand je speedrun pas le jeu. Pour le moment. Hop. Sur la version pâle est plus longue que la version Jap. Parce que. Et déjà là qui se passe plus vite. La version Jap. Passer les cinématiques et tout en émulateur. C'est une version console. Ouais, il faut prendre moins de 3 sprays. Les sprays qui sont là, ils sont dans le spray désinfectant. Il faut en prendre moins que 2-3 pour avoir le rang S. Donc, si vous prenez plus de 3, vous n'aurez pas le rang S. Bonjour. Obligatoire, même si vous sauvegardez pas. 3 sprays et 3 sauvegardes. Voilà le film, c'est la photo de Rebecca, rien de spécial. C'est sur les 50. C'est un truc caché. Hop, on va retourner dans la pièce centrale. Ces passages là on a tous flippé la première fois qu'on l'a fait. Hop, quand on revient là,
Hop, et des petits bras qui dépassent. À l'époque. Les speedrunners, ils font toujours prendre là-dessus, en général. Minimum une fois, sur la version pâle. Mais il passe, mais pas le deuxième. Tu perds toujours une ou deux secondes, en général. La seule différence avec Claire et Léon aussi au début, Léon a un briquet et Claire a le crochet du pour les crochets des portes en fait. Et le briquet tu le retrouves plus tard avec, avec Claire. Que le crochet que le passe-partout tu le trouves pas avec Léon. Voilà. Je crois qu'ils veulent savoir. Quelques petites différences entre les deux scénarios. Mais bon, général. Pourquoi pas? Et voilà la manivelle. Voilà la manivelle. Merci du fellow rétro Redfield, bienvenue à toi, plaisir. Merci à tous ceux qui ont fellow, merci de la part de l'équipe, tous les fellows qu'on a eu. Premier stream qu'on fait, c'est qu'on a une nouvelle chaîne. Plus de 60 fellows, c'est déjà pas mal. Putain, on retourne la file avec un pseudo comme ça, il peut qu'aimer les Redon de CV là. Et je crois qu'il se touche. C'est Patrick, je crois qu'il se touche. Après tu nous fais du Resident Evil 2? Tu nous fais le 3 après? Et où le 1? J'aurais pu. Et où? Ou sinon tu peux faire, la partie 2? La partie B si tu veux avec Claire? Après, tu veux. Et voilà une petite différence de la version française, européenne plutôt, version Jap. Là vous avez 3 zombies et en version européenne on a 5 zombies là.
Pour moi, on n'est pas obligé de les tuer. Hein. Comme j'étais chercher les munitions dans le coin, je les tue. Une petite clé, voilà une différence aussi qu'il y a entre le scénario de Claire et de Léon. Léon, il y a des petites clés pour ouvrir les petites pour ouvrir les tiroirs. On l'équipera après. Parce que Claire les ouvre avec le passe-partout. Ah, tu l'as chargé? Merde. Merde. Ah non, mais putain, j'suis en train de faire de la merde. C'est Gaver a dit qu'il a streamé la partie B de Claire. Hop, des petites munitions encore. Ça fait un mini pause et tout, t'es sérieux? Hop, on a réussi à esquiver les deux. Hop. Hop, encore les deux esquivés.
Plutôt au retour, ça va être cher avec la fille, avec la femme. Alors prends-la la mode. Un niveau de merde. Et voilà. On commence la partie B quand on arrive. Hop. Là si vous ouvrez cette porte là, vous avez deux zombies qui vous attaquent. Pour la première fois on l'a tous fait. Hein. Hop. C'est là qui commence le scénario B. Partie B. Avec Léon ou Claire, ça dépend lequel que vous faites en premier. Esquivation des deux là. Hop. Putain, j'ai réussi à l'esquiver. En général, le bouffe nous attrape. Vas-y, y'a pas de problème là sur le stream. À part les bandes noires, c'est normal parce que je suis en code. Je crois qu'il prend ta mémoire de ton PC pour ta mémoire de cerveau en fait. Je crois qu'il s'est trompé. C'est pas un petit peu trompé non? La voie est libre. Je prends les trois bandes et après je vais au coffre. Encore deux portes en bas. Même si je me fais pas trop toucher, je crois quand même. Une voie à la con. Merde, je vais remonter d'abord. Cette porte là va l'avoir deux fois. I am baladé. Vous pouvez voir en général sur chaque cadavre il y a toujours des munitions en fait. Sur certains cadavres. Les cadavres qui disparaissent pas en fait. Hop. Sauf là. Lui, non, moi, il y en a un autre dans le couloir, mais je reviens, juste après. Dans l'inventaire. Je prends les deux rubis aussi. Hop. Parce qu'il y a une énigme avec les deux rubis à faire. Putain, ma chute! T'as vu, il me fait pas ça, cet enfoiré. Pas grave.
Et voilà. Ça s'ouvre. Là, une petite clé. Hop, voilà. Les prises de fou. Les prises de roi. C'est comme un jeu d'échecs, là, t'as le roi, la dame, le fou. Et voilà. Ce qui différencie. Vous avez 4 pièces à ramasser. Différencie avec clair, parce que clair, c'est pas des pièces d'échecs à ramasser. C'est 3 symboles. Et avec clair, vous faites péter les glycos aussi. Qui est dans le couloir. Que Léon ne fait pas péter. Une différence encore. Hop. Après, j'essaierai de faire la partie B. Mais je sais pas si je la ferai juste après ou. On verra. Oh, j'ai pas une run si dégueulasse que ça. Je me suis fait toucher que 2 fois depuis tout à l'heure, depuis le début. On ramasse tous les items et tout. Voilà à quoi servent les petites clés, hop. Munition. Une pièce que déteste en général les speedrunners. En général, soit c'est pas, soit ça casse. En général, il ne tue pas les zombies. Merde! Comme là, c'est pas passé. Bonjour. Ouais. Si vous voulez, Flo. Putain, non! Mais putain, d'habitude, ils sont... Putain, il me saoule. Ça va, je suis en normal, je sais pas. Là, tu m'as AFK et puis c'est tout, en gros. Thank you.
Voilà, notre ami se transforme. En général, même sur les speedrunners, là, c'est qui tout double ça. Parce qu'en général, il esquive. Bon, ben, allez. Petit zombie, là. Il a 4 pattes maintenant. Il est en train de. Regarde, tu vas voir sur la vidéo. Je l'ai coupé en deux. Je l'ai coupé en deux le truc. Vas-y, le gars. La voie est libre. Et ouais, Kever, comment je l'ai coupé, Kever? Bah non, bah t'es gagné, il traîne à terre. Je l'ai coupé, en fait, je lui ai coupé le corps. T'as vu, il traînait. Elle a voulu tirer dans la tête avec le fusil à pompe. Sinon, tu le coupes en deux. Lui, c'est un vrai homme, hein. Quoi? Je me baladais. Allez, voilà. Vas-y, Kever, tu vas voir, il y en a encore un qui traîne là, à terre. Il rampe. Mais putain, il était pas mort! Il m'a fait une feinte lui. T'as vu l'autre comment il s'est coupé en deux encore? Coucou! Il a qui? Merci aux personnes qui viennent d'arriver sur le live. N'hésitez pas à parler. Il est trop game aussi. Si. Il est en train de stream en même temps, c'est pour ça qu'il parle. Je m'en fous. Regarde, cette clé n'est plus utile, voulez-vous l'acheter? Non, j'avais de la garder quand même. Sérieux? C'est plus utile, tu veux la garder ou pas? Non. Normalement cette pièce là vous la voyez pas quand j'ai des speedrunners parce que c'est une pièce qui sert à rien quasiment. Des munitions ramassées. Une petite clé aussi. Mais juste la petite clé à ramasser, y'a rien d'autre. Hop. Le spray, je vais pas le prendre. J'en ai un petit peu beaucoup sur moi. J'ai plus de place. Et là, un light là, qui va.
Hop là. Première fois qu'on fait ça, on flippe. Et maintenant, si je repasse dans la pièce d'avant, la pièce d'à côté, et je vais avoir le Lakers dans la pièce. D'ailleurs, j'avais personne. La pièce juste avant que j'ai traversé. Pièce pareil, juste à côté. C'est pour ça que je l'ai fait avant. La ligne est plus utile, voulez-vous l'acheter? J'ai envie de faire un aller-retour au coffre, parce qu'il y a des plantes derrière le bureau, je n'ai pas ramassé. C'est comme si je ramasse tous les items. Par le spray que j'ai pas ramassé évidemment. J'ai plus de place sur moi. Le spray il est visible sur la table. Et le cœur ça a cassé la vitre. Souhait. Je vais essayer d'utiliser la clé. Ah non, bah je l'aurai après. J'ai la petite clé, j'utiliserai après. Il faut que je revienne avec la manivelle. Thank you.
Comme si tu te... Hein? Ah la merde. Ah merde, je vais te prendre les... Attends, les câbles électriques. Ah, là des plantes. Deux, vous avez deux ou trois plantes ici. Derrière le bureau. Where Eclipse. Un club qui troll, d'habitude. Surtout quand vous faites un speedrun. Ah non, moi c'est une pièce que vous voyez pas non plus quand les speedruns le font. Ça fait pas toutes les portes. Je sais pas les chaves car après ils vont disparaître, il faut laisser la place à Lyco. Hadarong Hada. Oh mais Hada. Elle a voulu seulement te tuer, désolé. C'est pas mal ça. En voyant votre uniforme, j'ai cru que vous étiez un des zombies, un de ces zombies. Cool. L'autre, elle te voit en train de courir. Un zombie. Qui êtes-vous? Hada, Hada Wong. Hada Wong. N'hésitez pas à parler les gens sur le live. Hein. On est là pour partager. S'amuser. Déconner. Tout ce que vous voulez.
Vous allez stream après The Witcher, hein, monsieur Keller? T'es sérieux Kever là? Qu'est-ce que tu dis? C'est moi. Je m'en contente pas sur le live hein. Monsieur en profite hein. Attends, je crois que je vais mettre avec OBS, attends. Celui-là, non, vous la voyez pas dans l'esprit de il y a des plantes. Plantes pour le poison. Ouais, une plante verte. Et voilà le monsieur qui veut pas partir de sa cellule. J'espère que vous avez peine. Non. Levez-vous vite. Essayez de dormir là. Tu es sérieux? Il y a des zombies partout, essayez de dormir. Dans une cellule. C'est l'homme que vous cherchez? Ben. What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not... Pas de question que je sorte d'ici. Je suis fiché de consignes, vous allez l'attirer ici. Vous ne partirez pas. Je suis le dernier flic de cette ville-là. Quoi? Écoutez-vous. On est sorti d'ici vivant. En venant avec vous. Vous ne savez pas comment quitter cette ville. Il y a un chemin derrière lui. Dans les bouches. Ce ne serait pas facile. D'accord, j'y vais. Allez! Oui! Je sais, c'est bon. Allez, prends-le, le truc. Le pied de biche. Kiver, j'ai pris le pied de biche. Non. Il y a le truc pour relever les égouts en fait.
Levier, plaque d'égout. Je vais faire aussi une partie que les speedrunners ne font pas. Hop. Vous le prenez. Évidemment, il y a un chien fermé. Pas bon signe pour vous. Merde. Allez, prends-la. Je ne me demande pas pourquoi, comment le deuxième chien a fait pour apparaître. Ah bon. Et voilà, là c'est lui. Vous me démerdez. Du grec. 50% de grec. J'adore les grecs. Ça aussi c'est une salle que vous voyez pas normalement avec le speedrunner. Une salle de sel. Mais il y a une porte bleue et un de ruban. Une autre chose. Cool ta vie. En général, les speedrunners ressortent directement de la salle. Ça fait une cinématique. On passe là-bas. Je pose déjà les deux premiers. Voilà. Et là, vous allez avoir une cinématique. Sinon, vous êtes bloqué en fait dans le jeu. Je veux pas ça. Hide. I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. Les gens j'arrive. Can we get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check.
Ouais. Hop. Voilà, la partie avec Ada. Hey Wing. C'est une partie, c'est un côté que vous voyez pas normalement avec les speedrunners. Parce qu'en général ils vont directement à gauche. Cette zone là s'en fout. Comme là il y a des munitions. Un petit énigme là, rien de compliqué. Même pas toutes les caisses au bout. De quoi? Voilà la dernière clé que vous allez vous servir dans le commissariat. Kéber vous attend sur le live. Hein. Le seul, je l'ai vu se connecter tout à l'heure. Non. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here. Tu m'étonneras même pas. Think fast. Here's one more. Bah si tous les jours on a 50 fellows, ça va aller vite. Moi j'en ai déjà eu 4 là. 4 que pour du Resident Evil 4, ça va encore. Resident Evil 2 plutôt, pour du rétro. Non, attends, j'ai pas actualisé. Ah, 62. J'ai compris 72, c'est pour ça. J'ai dit t'as craqué du slip, monsieur Kiver. Voilà, pour m'esquiver les deux araignées. Sans vraiment rien. Oh, les œufs. Les œufs qui servent à rien. Merci aux personnes, aussi personnes sur le live, n'hésitez pas à parler. Hein.
Merde, pourquoi je fais demi-tour? Moi, c'est deux pièces que vous voyez pas quand les speedrunners le font. Ils utilisent la clé, mais ils se barrent. De quoi? Voilà. Première fois, ça nous fait très très peur. Maintenant, boum. Boum. Tu mets PC, PS3, PS4, puis tout. Traite et une sacoche. Je pourrais porter plus d'objets avec la sacoche. Prendre l'un des deux. Moi je vais prendre la sacoche, la mitraille je la laisserai pour le scénario B, pour Claire. Prendre l'objet, oui. Placement en plus, pour moi. Sur Facebook, tu l'as marqué sur Facebook comme quoi je stream du Resident Evil 2? Bah il est un petit peu trop tard hein. J'ai pas... Et tu l'as... Et tu l'as marqué aussi pour Salut Erlia, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne. Et... Bah oui, c'est celle qui venait sur TS. Elle fait du Resident Evil. Elle a fait du Resident Evil sur sa chaîne YouTube aussi. Elle a fait le Resident Evil 1. YouTube. Voilà l'arme la plus puissante du jeu, la Magnum.
Merci en tout cas pour ton follow, Erlia. Si tu veux, le TS il est en bas. Tu l'as mis? Vas-y, ouais, okay. Voilà. Si tu veux les nouvelles adresses du TS, Erlia est disponible. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Bien, bravo, hein, pas mal. Hein. Après, là, je ramasse tous les items aussi. Hein. Je ramasse un maximum d'items et je m'en fous du reste. C'est sûr. Si tu veux la nouvelle chaîne du TS, le nouveau TS, il est en dessous de la chaîne. Et si on fait slash TS, tu le trouves sur le live, ça marche? Bah Kever, tu. Non, je sais. Non, mais c'est pas pour Kif, c'est seulement pour elle. Bah, tout ça, le mot de passe, il est sur le. D'ailleurs, Alia, la chaîne, elle a commencé aujourd'hui, en fait, officiellement. Enfin, live de 24 heures. Il y a eu Saruba qui a streamé du Minecraft et du GTA V. Moi, là, j'ai repris sur du Resident Evil 2. Avec... Ah bah oui, après une fois que tu le connais, il est trop court, hein, le 2. De quoi, GG alors? Ah. La suite du live, non? Une poursuite. Moi, on passe pas par ici pour remonter là-haut, hein, d'abord. True. Resident Evil. True. Ça vaudrait que tu demandes à quelqu'un qui avait fait une chaîne. Tu vois de qui je parle? Ah, de rien, Harry. Ça fait plaisir. Ouais, on a eu pas mal de flows aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Ça trouve qu'on stream pas pour rien, ça fait plaisir. Kever?
sur la chaîne YouTube. On pourra follow la chaîne de Ria sur YouTube. Avec le compte DGS. Bah celle qui. Comme si elle fait ça pour le plaisir, elle fait pas ça pour le nombre de vues. C'est toujours plaisir. J'ai fait le grand tour pour rien, mais bon, pas grave. Plus pour les films. Bonsoir. Et voilà, l'amélioration du pistolet. Hop. Mais bon, je vais le mettre dessus. Mais je ne le mets pas en automatique. Parce qu'il cache trop de munitions. Hop. Et c'est en version normale. Voilà, là j'ai oublié de mettre le câble, mais bon, c'est pas grave. Non, après t'es pas obligé, pas le truc, hein. Forcément. Ah, faut essayer, ça fait peur. Salut Patrick, on est passé à 62 déjà. 62 fellow. La givre. Mais il se touche. Ah ouais, j'ai compris, il se touche. Sinon, Aralia, pas de soucis sur le live. C'est fait assez fluide. Vas-y, je reprends mercredi. Bah oui. Mardi, non, je travaille pas, je suis en repos. De quoi là? C'est... Non, je suis en 576p50, mais ça c'est normal parce que c'est du 4 tirs. C'est à l'ancienne.
Une différence entre Clou et Léon et Claire, c'est que Léon peut sauter dans le conduit que Claire ne pourra pas. Claire d'habitude fera tout le tour. Ça rame un peu, mais. Ok. Voilà. Belle, va se faire contaminer. Ça rame un peu chez moi. Bah, je sais pas. Là, moi j'ai pas de soucis sur mon live. Ça doit venir de ta connexion, Arlia, parce que j'ai plusieurs personnes qui se parlent sur TS et ça. Y'a pas de problème sur le stream. Mais que les lives sur notre chaîne ou sur les tout en général. Ben. Ouais. Can you still hear me? Come on, answer. Damn. Bon sang. I almost got the story. Ben. Bitter. Non, non, elle passe pas par le conduit. C'est pas ce conduit-là qui parle, Arlia. C'est un autre conduit, en fait. C'est un conduit avec de l'eau. En fait, la trappe, elle s'ouvre. Elle tombe. Non. C'est pas le même conduit, Arlia. Sur les conduits là que je suis tombé, il y a personne qui tombe dedans. Avec l'air. Voilà, il s'est fait déchiqueter par une mission. Ah oui. J'étais flotté. Ok, pas de soucis, Arlia. Ada, wait. Hey. Pas de soucis, ça arrive à lui. Hein. Do you read me, Claire? C'est celui-là que je connais le plus. Oh, dans Civil 2. Voilà. Nous allons passer au premier boss. Ça prend longtemps. Premier boss du jeu. Regarde ça. Bah non, après c'est surtout fait les bons jeux. Forcément les. Bah t'es quoi commencé? Voilà. Moi non plus j'étais pas là. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Arlian, on a fait ta chaîne sur Twitch, sur YouTube. Normalement. Bah, tu tapes son nom normalement sur YouTube, tu l'as. C'est logique, hein, Kevin. Je vais le tuer au magnum, je trouve ça. Le magnum, je le garderai pour le labo. Je le connais un peu moins, mais le 3 ça peut aller. Alors moi c'est le 2 que je connais vraiment. Le 3 et après le 1 que je connais moins bien. Bon, après je le connais aussi.
Premier boss du jeu. Je te viole, c'est ça? Ça m'étonne même pas de toi qui va. Voilà le premier boss du jeu. Celui-là qui a contaminé Ben et qui s'est fait tuer. Un petit iti. On est obligé de le tuer, on peut pas l'esquiver. Voilà, boss tué. Il n'a même pas touché, mais c'est des petites blessures. On peut jouer au magnum aussi. Il n'a que tu mets mon couteau. Voilà, porte verte. J'ai mis les 4. C'est ça. Elle a fait un CV et puis elle a fait un autre jeu normalement. Un jeu de baston. La date tombe du ciel, cool. Pourquoi vous êtes ici? C'est stupide. Il y a des zombies partout sans parler de ces monstres qui a tué Ben. J'étais bien allé en jeu. Bonsoir Isa. Voilà, il coupe le micro, voilà. Ça fait plaisir, hein, de l'entendre. De quoi? Bonsoir. Vous voulez dire bonsoir de ma part? Le carrelage il a rien eu j'espère. Le carrelage il a rien eu? Ah là c'est bon, on a fait la chaîne YouTube. Hein. Des munitions. Voilà, une pièce secrète. Qui? Voilà, une pièce secrète. Vous voyez pas non plus quand c'est le speedrunner. Et Paris, alors Auxerre, ils ont gagné. Auxerre, Monaco. Qui c'était? Qui? Ouais, parce que alors Monaco, soit qu'ils ont...
C'est quoi les résultats? Ah mais tu peux... Nako, ça fait quoi alors? Elle a un spray. Oh, parlons pas de trou ici. Hein. Ah, ça peut exciter plus d'un. Hein. Ah, Monsieur Patrick. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Kever parle de trou quand même. C'est bon? Et là, comme cinématique ou que, Léon va se prendre une balle. En même temps, c'est un peu là. Heureusement qu'on t'a pas qui est vert sur le live. Hein. Kever, quand est-ce qu'elle va streamer alors? On peut demander? G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... Precisely. My husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. This way. It's sheer perfection. My precious G-Virus.
No one will ever take you away from me. There he is. On avait la poque dans la tête, hein. We're here to collect the G-virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. Stop. You might hit the sample. That's it, all right. Okay, let's move out. Hiver, tu suis encore live? Ouais, la cinématique elle dure pas mal de temps, mais elle est énorme cette cinématique. Il va s'injecter le sérum. Salut Pompis, comment ça va? Bonsoir. Pourquoi un petit cœur? Ça m'étonne de toi. T'as vu, je fais des relances vite de monsieur Pompis, hein. Monsieur Kever, il est jaloux, hein. Je dis ça, mais je dis rien. En même temps, tu stream pas Kever, c'est normal, hein. Tu me mets pas tes cœurs. C'est pour les gens qui stream. Ah, parce que voilà, on a dit que t'étais jaloux. Voilà. Il est obligé. Oui, c'est pour ça. Mais il a mis trois. Il a mis nous, hein. Il t'a mis quand même en troisième Kever, je dis ça mais je dis rien. Ils sont sérieux. On dirait des vrais de briques. Je peux pas le dire parce que je suis en live. Ça, c'est bon pour ta confusion. Me too. C'est ça en plus, monsieur Pompis, c'est ça, en plus, c'est vrai. Merde, je suis en train de regarder. I am baladé. Il t'a un petit peu cassé, hein. Le gars, il stream pas, mais il y a une chaîne. Un qui arrive sur live, putain, c'est quoi ces gars? C'est dégueulasse ici, hein. C'est dégueulasse. Je suis désolé. Non, je suis en forme. Moi j'ai pris un café bien noir, hein. Moi, une bonne chance. 6h du matin. Avec 5-6 cafés. Oh, grac! Youhou! Des munitions aussi. Hop. Pourtant, je suis pas en haute, hein.
Je suis désolé. Non, monsieur Pompé, ça a été ta journée? Ta journée, je l'ai pas vue. Excuse-moi. Ta soirée entre potes, là. Ça a été? Hein? Hello, je suis désolé. Je suis désolé. Tu vois quoi qui dit ça? Je suis désolé. JP. Oasis. La DP. Tomber sur le deuxième boss du jeu, en gros. Le crocodile, là. Faut le tuer en une balle. Bah comme d'hab, hein. Chica. Voilà, crocodile décidé, laisse d'ailleurs. C'est pour les hommes, c'est pour ça, monsieur Kevin. Le truc est dommage. C'est clair, mais bon. D'habitude, je le prends pas, monsieur Kevin, c'est pour ça. D'habitude, je le prends les dosettes. Là, j'ai pas pris de dosettes, j'ai fait le café l'ancienne. La cafetière et tout. C'est vrai, j'ai encore la moitié de la tasse, du bol. On va quand même faire 5 ou 6 cafés. Il y a de quoi tenir la soirée. Hein. Soirée, après sinon après le jus d'orange. C'est Kevert. Ouais, sinon après il y a la drogue, hein. Mais bon, ça on n'en parle pas. C'est Kevert. Ah, monsieur Kevert. Kever, vous êtes là? One, deux. Ah, la prise a été branchée. Elle a été branchée. Vous vous disiez quoi? Ça, le jus d'orange, la drogue et le café. Oh, Gregigo!
Here we go. Je crois que j'ai l'étoile de Mario là. Et là, Patrick il veut reprendre. Non, t'es bon, tu reprends pas. Tu reprendras 6 heures. Youhou. Je suis invincible. J'ai bien fait de poser le premier emblème. Genre. Youhou.